Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de God of War avec l'épisode 23. Incroyable mais vrai, nous sommes en face d'une porte qui me fait poser beaucoup de questions. Cette porte est horrible parce que je ne sais pas comment la passer. Alors il nous faut un vent, vous l'aurez compris. Grâce à cela, on va pouvoir l'ouvrir. Et pour avoir ce vent, il faut que j'ai les lames du chaos en main. Sauf que ça ne dure que 10 secondes. C'est là où le principal problème se pose. C'est que le vent se situe tout en bas, bien trop bas. Et jamais, au grand jamais, je n'ai le temps d'aller en haut. Donc c'est très étrange. On va passer par le menu. On va améliorer un maximum nos armes, parce que franchement c'est mérité. Je pense que là clairement on a débloqué toutes les armes du game. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut prendre de très intéressant. Il est temps d'aller dans les lames du chaos, voir ce qu'il nous propose de cool. Augmente la quantité d'immolation à chaque coup de lame réussi. Ça c'est plutôt insane. Donc grâce à ça ils vont proc du feu bien plus longtemps. Et viser appuyer sur R2 pour charger des dégâts de brûlure. On va prendre celui-ci, celui-ci est plutôt cool en vrai. Et on va pouvoir balayer des zones, ça va être assez terrible. Lors d'une esquive avec elle, appuyez sur R1 pour effectuer une attaque tournoyante sautée. C'est pas mal. Ça me parle bien ça. Effectuer une puissante attaque qui frappe tous les ennemis. Maintenez R1. Oh, je prends. Je prends. Bon, on a plutôt bien amélioré pour l'instant les lames du chaos. On va améliorer un petit peu l'arc d'Atreus parce que l'âme skin à lui. Les flèches électriques infligent encore plus de dégâts. Plutôt pas trop mal en soi. Et les flèches électriques infligent d'énormes dégâts. Ça, je prends. J'utilise énormément les flèches électriques, donc pourquoi se gêner? Les dégâts électriques se transmettent désormais d'un ennemi à l'autre. Ça m'a l'air pas mal aussi. Là, on commence à vraiment être dopé. Augmente énormément la cadence de tir. Je pense que ça, les dégâts, la cadence de tir, c'est pas grave, on patientera. On est bon. Le bouclier maintenant, le bouclier c'est très intéressant. Il est à son maximum. Donc ça, c'est en rage spartiate. On peut faire des trucs très très sales. Continuer à appuyer, ouais, pour prolonger le... Oh là 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 là. Ça, on prend. Je vous avais dit qu'on augmenterait la rage, hein, qu'on en avait besoin. Changer de posture en marquant une pause après une attaque. Une fois, la nouvelle posture. R1 pour effectuer un puissant hypercut. Oh là 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 là. On a des trucs vraiment cool là, non? On va prendre celui-ci. Il m'inspire. Et celui-ci, il me fait bien kiffer aussi. Ok, niveau bouclier, on est genre vraiment bien. Et changer de posture en marquant, ok, R1 pour enchaîner avec une frappe. Ah, c'est insane. Je le prends. Il est insane aussi, celui-ci. Et niveau H. Niveau... Ah, mais les gars, il y a tellement de trucs à faire. Ok. On va prendre celui-ci. Il m'inspire plutôt bien. Débloquer un deuxième coup enchaîné avec R1. Et débloquer un troisième et dernier coup. Les gars, là, on devient chaud de ouf. En vrai, on devient chaud de ouf. La hache, elle est toka. Elle est incroyable, cette hache. On va prendre ça, ça fait que 1000. La hache est presque à son max. Je vais garder beaucoup d'XP quand même, parce qu'à mon avis, les lames du chaos, il y aura clairement des trucs à faire vraiment cool. Celui-là, celui-là, il me parle. Celui-là, il me parle. Et niveau arc, on est quasi à son maximum aussi. Là, les gars, on est très, très bien. On s'est sûr... Dopé, en ce qui concerne les lames, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Moi, je pense que là, clairement, on est bloqué. On est bloqué parce que, regardez. Hop. On va essayer de ne pas perdre de temps. Ok. J'ai déjà... J'ai pas su monter. Très bien. On va le refaire, on va le refaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. On va essayer de ne pas perdre de temps, je disais. 5, regardez, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est ici que je dois le mettre en attendant. Vous voyez ce que je veux dire, le vent? Sauf qu'il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Donc, je suis totalement bloqué, manipulé, trompé par l'adversité, bien évidemment. Il n'y a rien à faire. Non, non, mais il n'y a rien à faire. À moins de garder le vent plus longtemps, et ça serait à débloquer bien plus tard dans le jeu. En améliorant les lames du chaos. Je pense que, les gars, c'est comme le riz, hein, c'est cuit en 3 minutes. Là, je pense qu'on peut rien faire. On peut rien faire. On continue notre aventure, c'est pas grave. On a perdu un petit peu de temps, mais ça va. Ça va. Là, je vais prendre la hache. On va voir si on peut faire des trucs sympas. Il y a quelque chose ici. Là, il n'y avait rien à faire. Ah, quoique. Quoique.
C'est bizarre ce truc en plein milieu, non? Fils. Viens voir ici. Comme tu veux. D'accord. Ok, il ne parle pas. Là, il parle pas beaucoup hein, depuis deux épisodes, c'est assez terrible d'ailleurs. Je dois combler ce manque de conversation avec mon fils. Ok, bien joué. Là, il a l'air entièrement autonome. Lui, il va faire des bails chelous, hein. Je le sens pas. Tu hein, m'occupes de ça pas. Atreus. Oh là 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 là, chérie, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok, hop, il a pris ce qu'il mérite. Ouvre-toi. Ok. Oh, le bâtard! C'est horrible. Hein. C'est horrible! Je vis un très mauvais moment! Ok. Oh là 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 là. Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Parce qu'en vrai, ça peut être super intéressant. Je pense même que c'est mieux que tout. Non, 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 putain, on peut rien en faire. Oh là 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 là, c'est terrible. J'essaye d'être un peu plus, mais. Ok, j'ai chié. C'est compliqué. C'est compliqué, on va devoir le refaire. Et en plus j'ai perdu de quoi me réanimer. Mais putain, mais pourquoi il le provoque ce con de gamin? C'est terrible. Je m'occupe de ça. Encore. Non, 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 non. Je trace mes longs morts, hein, j'ai rien à foutre, hein. Hop, ah. Il a bugué. Non mais arrête! C'est trop ce que tu fais comme dégâts! Quoi? Incroyable! Incroyable! Ok. Ok, je lui fais perdre ses boules. Bien. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Boum! Tiens! Coup dans le plexus! Mais délai! Aïe! Ok, aucun souci. Ok, aucun souci. Flanc droit! Aucun problème aussi. Je gère de ouf. Allez, c'est terminé pour lui. Je l'ai géré grave. Hop, on lui arrache son cœur. Bon, je l'ai géré de ouf, même si c'était compliqué au début. Je ramasse. On se fait plaisir. Oh là 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 là, cet acier. Saut de concentration du givre. Objet rare, augmente de 20% la résistance au givre, très bien. Pour une Valkyrie, ça peut peut-être être intéressant si elle craint le givre, si je peux me permettre l'expression. On va pouvoir tracer. Forcément des soins quelque part, hein, non? Qu'en pensez-vous? Oh. On n'a rien. On va tout fouiller. Hein. Oh. On a un sacré coffre ici! Que je vais tout faire pour avoir. Ça dégage. Ça dégage.
et ça. Ah, attendez. Il y a beaucoup de trucs à ramasser. Je le veux le coffre de derrière. Hein. Vous avez vu que je l'ai vu, que je l'ai vu. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Ça, on prend immédiatement. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une petite rune, je pense. Allez, c'est fait. Un angle acier trempé, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a une porte. On a quelque chose ici d'incroyable. Il faut que j'aille de l'autre côté, hein. Coûte que coûte. Hein. Il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs totalement de ouf. Ah, j'aurais pu la tirer ici en vrai. J'aurais pu la tirer, je pense que ça aurait fait un maximum de dégâts. Ça aurait été vraiment cool. Ok, donc c'est totalement pareil que le chemin. Ça fait que derrière, on n'a pas prié. Il n'y a pas de soin, vraiment, les gars. Comment on peut monter là? Comment on peut monter là? Très intéressant, trop intéressant. Là, on a quelque chose, regardez. Où est le chemin? Allez, par ici. Pose beaucoup de questions. Ok. Déjà, est-ce qu'on n'a pas quelque chose dedans? Totalement. Oh, ce joueur, ce joueur. Arrêtez-le, il est extrêmement bon. Que quelqu'un dise quelque chose. Ok. Juste un coffre, merde. Bon, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que ça allait manquer de vitalité. Mais bon, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Je me... Oh la vache! Ça, c'est intéressant, on va l'afficher tout de suite dans le menu. Ah! Alors, bon, moins 18 en runes, néanmoins, plus 20 en récup, en défense, plus 9 et plus 2 en force. Je pense que très clairement, je vais le prendre, parce qu'en plus, il y a un emplacement pour y mettre quelque chose de très cool, qui sera la marque du lanceur, augmente de 6% les dégâts infligés par tous les lanceurs de hache. Hop, j'aime totalement équiper. Ça fait plaisir. On a enfin trouvé quelque chose de violet. Et encore, il y a du jaune hein, au-dessus. Mais franchement, c'est plutôt cool. On peut y aller. Continuons notre aventure incroyable. Cette tunique valait le coup. Elle me up. Et c'est fait pour ça. Allez, on y va. Il n'y a rien. J'essaie de vraiment tout fouiller, de vraiment tout voir. C'est très dommage de passer à côté de quelque chose. Surtout un coffre. En plus, je suis à un objet... De pouvoir augmenter ma rage, c'est clairement pas négligeable. Allez, fils, hein. À la vôtre, coupe trouvée, 5 sur 6. Je vais pouvoir les revendre. Allez, tant que les connaissances sont pas ajoutées, c'est terrible, on peut rien faire. On y va. Il y a un sacré coffre à récupérer en bas, j'ai envie d'aller le récupérer. Faites vite, s'il vous plaît. Faites vite, j'ai envie de voir ce qu'il y a. Il a l'air magnifique, il brille de tous les côtés. Il a l'air fabuleux. Allez, ça, ça dégage. Faites-moi rêver, pourquoi pas des avant-bras. Ah, il suffit... Oh, des épaules, il suffit d'en parler, les gars. Incroyable. Moins 29 en runes. Moins 2 en force. Plus 26 en récup et 4 en def. Avec 2 emplacements, clairement, c'est pas négligeable. Oh là 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 là, avec mes épaules de serpent, frère. C'est ça, le petit feu. Ouais, il y en a d'autres encore. Hein. Il y en a d'autres qui vont me régaler, je pense. Hein. Donc, ça fait que si je fais ça, normalement... Ah, ça me redonne beaucoup plus de vie. C'est fort agréable. Merci beaucoup. Bon. J'ai un autre problème. J'ai un autre problème. C'est que je veux aller de l'autre côté. Et j'ai l'impression qu'on n'ira jamais parce que la porte... est à l'opposé. Ah, frérot. Allez. On va voir ce qu'on peut améliorer. Appuyer sur L1 et rond. Ah, en vrai, ça y est, c'est fait. Je peux clairement l'améliorer. Et ça me donne des plus d'un peu partout. Ça me demandera pas mal d'argent quand même. On va le faire. Toujours se faire plaisir, les amis. En plus, on vient de les trouver. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en trouver d'autres. Des artefacts. Toujours. 5000. 10 000! Ça vaut un maximum de pognon, ça. Les gars! Augmente le regain de santé, très bien. Ça me paraît pas mal, ça, non? Par contre, moins 600 runes, mes dégâts runiques vont faire. Non, putain, j'ai failli l'acheter. Pommeau de lame! Ah! Ça, par contre, j'en ai pas. Ça, clairement, j'en ai pas. Plus 8 et plus 10. Incroyable! On va acheter ça. J'ai acheté celle-là. Elle m'a l'air très cool et on va l'équiper de ce pas.
Ah bon bah on a fait un petit tour de tous les menus. Attendez. Pierre de résurrection, ça il m'en faut ça. Ça il m'en faut, pierre magique qui ramène Kratos à la vie avec la totalité. Non, peut-être pas faire les Américains. Hein. Peut-être pas faire les Américains, juste cette pierre elle est pas mal. Bon, écoutez, clairement, on est presque niveau 5, pour être honnête avec vous. C'est la première fois dans le jeu, au bout de plus de 15 heures de jeu, qu'on a fait un tour dans les menus et la vente. Et clairement, ça valait le coup. On s'est bien up. On est chaud là. Là, on est mieux. On est clairement mieux. Donc, normalement, je récupère plus de santé. J'ai des armes bien plus efficaces. Et j'ai plus de vie aussi. Et normalement, plus de dégâts. Donc, on est très très bien. On peut continuer la suite de nos aventures. Nous voici donc enfin au sommet. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais ça me fait peur. Donc on va casser ça. On est très très bien. On a perdu du temps dans les menus, dans cet épisode. Mais il fallait. De toute façon, c'est évident qu'il y a bien un épisode où on allait perdre notre temps dans ces 10 menus. Rien de grave. On n'a pas fait de bêtises, je pense. Et il nous reste beaucoup d'argent. Donc vers la fin du jeu, on pourra s'améliorer sec. Ok, le royaume de la brume. C'est pas mal ça, fragment de code de Niflheim. Ici, on a des choses pour faire péter quelque chose. On a de quoi se mettre en rage. Très bien. Ça me plaît. Vous êtes prêts? Je sais pas ce qui va sortir de là, les gars. Mais ça va être sauvage. Aïe! Il commence déjà, lui. Ok. Ok. Allez, viens. Viens. Quoi? Ok, c'est bon. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Ça dégage. C'est du niveau 6, hein. Ok, c'est tout. Tout ça pour... En fait, c'est pour avoir de l'argent. Je crois, non? XP, c'est juste pour avoir de l'argent? Ah non! Signe solide de fortune. J'ai pas compris. On y retourne. On y retourne. Ah! Ma récompense! Poussière de royaume. On trouve cette substance informe dans les brèches. Pour faire divers talismans. Yes! Ben voilà! Une bonne chose de faite. On continue. Incroyable tout ce qu'on chope. Par contre, attendez. Hop. Regardez ma vie. On se fait des petits plaisirs fondant croquant. C'est pas mal. Bon, je gagne beaucoup moins de vie depuis que j'ai encore amélioré mon truc. Bon, on a encore gagné de la poussière. On en avait trouvé déjà. Pour améliorer mes talismans et faire des trucs assez cool. Ok, ça nous met full life. Il va y avoir un boss ou quelque chose de très sombre. Préparez-vous, les amis. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça. On se concentre. Ah, ça y est. Je suis d'accord avec lui. On s'est pas parlé depuis deux épisodes maintenant. Quelque chose par ici. Quelque chose par ici aussi. Donc si on va là... Est-ce que par hasard on n'aurait pas... Si je puis me permettre... Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? C'est pas là, hein. Je sais que c'est pas là, les gars. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est de là où on venait. Ok, très bien. Allez, on s'en va. On se casse, on perd pas plus de temps. J'ai préféré vérifier. Toujours vérifier quand vous avez un doute. Étant donné qu'on a passé pas mal de temps dans les menus, on va aller au bout, tout en haut. Et on va voir un peu ce qui va s'y passer. Ne vous inquiétez pas. Ah, est-ce que vous croyez que je vais remettre la tête à sa place? C'est insane. C'est incroyable. Ah non, on va pouvoir... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir enfin aller dans le royaume. Ça, c'est fait. On a quelque chose ici. Putain, j'avais vu un coffre incroyable derrière. Ça m'énerve parce qu'on avait vu une porte avec un vent. On avait vu un coffre aussi que j'avais réussi à déverrouiller de loin. J'aimerais... Oh la vache, accéder à tout cela. Moins 18 en runes, par contre plus 2, plus 9 et en récupération plus 20. Et encore une fois, il y a un emplacement de libre. Oh putain, doux Jésus, j'avais pas vu que j'avais ça. Augmente de 10% les dégâts infligés, ok, très faible, ok. Ça, hein, la défense, hein, encore une fois.
On a déjà des trucs jaunes en fait, c'est cool. C'est cool à quel point tout va vite dans la vie. Ouais, lui, j'ai mis une technique de mort. Hein. J'ai mis une tunique de mort. Je vais pas vous mentir, Catreus, il est pas bien le frérot. Mais c'est pas grave, il peut pas mourir en soi. Allez, on est parti, je pense qu'on va avoir un boss. Nous y sommes presque. Je pense qu'on va avoir un boss. C'est pas du tout à quoi m'attendre. Vous ne savez pas à quoi vous attendre si vous avez pas fait le jeu. Ouvrir Atreus, le trou. La rune. Grave ce motif. D'accord. Attends, tu t'es foutu de ma gueule. Ok, faut que je fasse dans chaque cercle. Aucun souci. Et ben voilà. Jotunheim. On a réussi. Magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Je t'ai manqué. Cours, Atreus, traverse le pont! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Vraiment. Baldur, laisse-les partir! Prends-moi leur place! Je ferai tout faire! Voilà. Pendant tout ce temps, j'ai grand besoin de toi! Mais tu ne sers à rien! Finalement, c'est le garçon, le cerveau, hein? Sale petit merdeur. Ne reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi. Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt. Atreus. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Oh oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Atreus! Cédons pas, t'avouer vaincu! Incroyablement stupide, gamin! Ne touche pas! Vas-y! Mets-lui ce qu'il mérite! Ok. Aïe. Allez, ça dégage, hein. Véritable combat de boxe. Tu ne m'arrêtes pas. C'est vraiment de la boxe, hein. Hop, esquive gauche. Bam, bim, boum. On a le droit de tous se poser la question.
Allez, boum. Hop, pose un putain de like sur cette vidéo, bordel. Sinon, je m'arrache. Oh là. Oh, le muscle mérite pas celui-ci, hein. Ça valait le coup d'aller jusqu'ici dans la vidéo, je vous le dis, hein. Alors attendez, je sais même pas si c'est moi qui joue, je sais. Ok. On tente des trucs. Ah, il est fort. Aïe. Ah, ça va faire tellement mal au dragon surtout. Incroyable cette course-poursuite! Totalement incroyable! Full in-game en plus! Ok, là je pense que je sais pas où je me dirige, mais je vais. Qui a activé le pont? Hé! Hey, je t'ai posé une question! Oh là 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 là, il me vole ce gamin! Putain, mais mec! Les gars, mais les gars, mais Kratos c'est un dieu, putain! Il est déjà verrouillé! Et quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est vraiment. Soit. Balder ! Écoute-moi ! Laisse-moi t'aider! Chacun se touche, tu sais que je. Oh, le royaume des morts! Oh, le royaume des morts! Incroyable! Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? C'est un film! On vient de voir un film, là! Est-ce que tu vas m'aider? Incroyable! Bien sûr qu'on va l'aider, et on va s'arrêter là juste après. Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement, tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. J'ai des frissons et c'est incroyable. Retourner au sommet, terminé, deuxième round. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le fucking like et le fucking commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao ciao, à très vite.